Les conditions météorologiques auront été une nouvelle fois au centre de toutes les préoccupations. Après une année 2015 marquée par la sécheresse, 2016 a connu un printemps très pluvieux, ponctué d'inondations qui auront mis à mal de nombreuses récoltes. Cette année aura vu également des cours tous fortement orientés à la baisse, que ce soit pour le lait standard, les céréales ou la viande. Votre coopérative a été impactée par ce contexte économique. On avait des céréales qui étaient vraiment splendides en sortie d'hiver. S'en est suivi un printemps plutôt très pluvieux et très froid. Et donc les céréales qui avaient un potentiel relativement important, voire très important, se sont trouvées vraiment atteintes par ces conditions climatiques. Et on est en train de le payer aujourd'hui. Pour faire face à cette situation inédite, la coopérative Terre Comtoise a mis en œuvre des actions pour venir en soutien des trésoreries et accompagner ses adhérents. Nous sommes gourmands d'améliorer nos productions et nous avons une totale confiance en Terre Comtoise. Ici, nous sommes sur la plateforme fourragère de Renier. On a amené cette plateforme dans la continuité de la plateforme fourragère de Mamirol. On a changé un petit peu de conditions pédoclimatiques. On est monté un petit peu en altitude et puis on est sur des terrains un peu plus légers. Ce qu'on attend de cette plateforme, c'est amélioration de la qualité de l'herbe, sachant que si on améliore la qualité de nos fourrages, nous allons améliorer aussi la production laitière par la ration de base. On continue les essais fertilisation avec les nouveautés comme les engrais à base de levure et de bactéries. Une présentation des premiers résultats a eu lieu sur cette plateforme le 6 octobre en présence d'agriculteurs. D'autres essais seront menés dans la continuité de ces résultats. Après 12 mois d'essais, Terre Comtoise a présenté le 9 juin 2016 sur le site de Denne les premiers résultats. Plus de 500 visiteurs ont pu découvrir les innovations agronomiques. En parallèle des présentations des essais, notamment l'utilisation de techniques alternatives comme le biocontrôle et des fertilisants de nouvelle génération, l'activité machinisme a mis en place des démonstrations et expositions de matériel. Le site d'Orgelet, ouvert en avril 2016, est la troisième base de l'activité machinisme dans le Jura après Villers-Farlay et Blétrand. En créant cette base, Terre Comtoise nous a amené un service de proximité qui est pour nous très important pour le bon déroulement de nos travaux. La force de Terre Comtoise, c'est d'avoir une multitude de bases dans toute la Franche-Comté qui peuvent s'échanger des matériels, des pièces, du savoir-faire, des compétences techniques pour pouvoir faire face à toutes nos réparations. L'activité machinisme poursuit sa politique de démonstration de matériel auprès des adhérents, comme ce fut le cas à Denne en octobre 2016. Nous avons décidé avec mon équipe de mettre au point une journée information produit avec deux de nos fournisseurs principaux, John Deere et Ben Nord. Deux parmi Josquin, Diessy et d'autres avec lesquels on veut communiquer largement pour promouvoir leur gamme de produits. Cette journée donc, c'est donc articulée autour de présentation des machines le matin et présentation dynamique avec essais de la part des agriculteurs toute l'après-midi à leur convenance. L'avantage d'une journée comme ça, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de tracteurs à l'essai, beaucoup de matériel Ben Nord. C'est qu'on se déplace sur une demi-journée, on peut essayer une bonne partie de la gamme des tracteurs, puis une bonne partie des outils par exemple de chez Ben Nord. On ne perd pas notre temps, quoi. Partant du principe que la vache laitière est une forte consommatrice d'eau et à la demande du monde agricole, nous avons étoffé notre gamme hygiène dans le traitement de l'eau afin d'assurer une bonne qualité sanitaire de cette dernière. Ce qui permet par la suite, dans la continuité de la filière, une bonne qualité fromagère. Les filières AOP Comté-Mont d'Or sont très exigeantes en termes de qualité d'eau. C'est pour ça que nous avons recours aux produits
qui va donc venir dans la réserve d'eau pour être injecté dans le circuit qui servira à l'abreuvement des animaux. Nous avons fait confiance à Terre Comtoise pour son produit qui se présente en comprimé, qui est très facile d'utilisation. Les échos au niveau du vignoble jurassien ne sont pas très bons au niveau du printemps, puisque du fait du mauvais temps, les traitements phytosanitaires n'ont pas été placés au bon moment, les vignerons n'ont pas pu intervenir non plus facilement. Et de ce fait-là, il y a eu des grosses attaques de mildiou, ce qui a causé des manques en quantité au niveau de la récolte. Fort heureusement pour nous, nous avons réussi à positionner nos traitements phytosanitaires au bon moment, ce qui fait que nous avons chez nous une bonne quantité. Ce qui est assez compliqué cette année, c'est que nous avons des vendanges qui ne sont pas homogènes du tout, puisque nous sommes obligés de vendanger un cépage puis un autre et d'attendre, de vendanger deux jours une semaine et trois jours la semaine d'après. Donc ça fait trois semaines que nous avons commencé les vendanges. Mais pour un optimum de qualité, nous attendons vraiment, puisque nous avons un état sanitaire très sain. Donc ça nous permet de récolter des raisins qui feront des belles cuvées plus tard. Les investissements sur les magasins du réseau Lisadou se poursuivent. Après Saint-Vite et Liel, en 2014, ce fut au tour du magasin de Poligny de rentrer dans une phase de travaux conséquents. Débutés en 2015, ils se sont poursuivis jusqu'au printemps 2016. Le magasin de Poligny répond désormais aux standards de l'enseigne Gamme Vert. Face aux fluctuations des cours mondiaux et aux incertitudes du marché, la coopérative s'attache à promouvoir et développer les cultures locales. Après le développement d'une filière soja en Franche-Comté, Terre Comtoise se mobilise aux côtés de ses adhérents pour la betterave fourragère. Cette culture, elle progresse, parce que c'est une très très bonne culture au niveau de la ration hivernale des animaux. Quand on est en Haute-Comté, c'est la seule culture qui permet d'amener des aliments verts, on va dire, et puis frais au cours de l'hiver, en complément des foins et des regains, et puis des aliments distribués entre autres par Terre Comtoise. Ce sont ainsi plus de 200 hectares qui ont été mis en culture cette année, et ce notamment sur les premiers plateaux, avec une trentaine d'exploitations concernées, pour développer le circuit court envers les agriculteurs de l'AOP Comté. Ça fait 3 ans que je cultive de la betterave fourragère. Ce godet permet de séparer donc les betteraves qui sont données aux vaches et de l'autre côté la terre qui est récupérée, ce qui permet de ne pas mettre de terre dans la crèche et d'avoir un produit plus propre. La coopération est là pour aider les jeunes à s'installer. Bien sûr, c'est la force vive de notre agriculture, donc la force vive de la coopération. Il est extrêmement important que les jeunes s'impliquent dans leur coopérative, dans la coopération et dans celle de Terre Comtoise comme celle d'aujourd'hui. Après plus de 5 ans d'instruction, le chantier de la nouvelle usine destinée à la fabrication d'aliments non OGM a démarré cet automne. Cet investissement de plus de 10 millions d'euros s'inscrit dans la pérennité des filières AOP. Les travaux devront s'achever à l'automne 2017. Votre coopérative se mobilise au quotidien pour vous apporter les conseils, l'aide technico-économique la plus adaptée et ce dans un environnement économique difficile pour nos adhérents. Le conseil d'administration, la direction et l'ensemble des collaborateurs de votre coopérative œuvrent pour transmettre aux générations suivantes d'agriculteurs des outils de production modernes et adaptés aux enjeux de l'agriculture de demain.